Academia est le leader en France sur le marché du soutien scolaire. Ça représente une communauté d'un peu plus de 100 000 élèves par an et un peu plus de 25 000 enseignants qui collaborent avec Academia. Academia est avant tout une société éducative. C'est-à-dire que notre mission, avant tout, est de faire progresser les élèves. C'est là-dessus que nous sommes jugés. C'est-à-dire que nous réalisons chaque année une étude et en moyenne, on fait progresser les élèves de 3,2 points. C'est cette progression qui est, si je puis dire, l'obsession d'Academia, qui est d'aider chaque élève à réussir et dans ses études et dans son projet professionnel. Pour obtenir ces progrès, on va déployer plusieurs moyens. On va pouvoir s'appuyer sur le cours particulier, donc bien sûr au domicile, de plus en plus aussi de cours collectifs dans nos centres, ce qu'on appelle les ateliers de la réussite, par petits groupes de 5 à 10 élèves. Et le troisième mode qui est un petit peu nouveau pour Academia et en France, le e-learning avec live and replay, où on va à distance, bien sûr, pouvoir connecter un enseignant et un élève. Quand vous regardez aujourd'hui une classe normale, vous avez le professeur qui délivre son cours magistral en classe et la pédagogie, l'apprentissage se fait à la maison. Et ensuite, le lendemain, l'élève est interrogé pour savoir ce qu'il a appris quelque part à la maison, a été acquis ou pas. Et on rentre dans une autre pédagogie où quelque part, délivrer le savoir va passer par des nouveaux canaux comme effectivement le i. Et le rôle de l'enseignant va être beaucoup plus de valider et d'aider chaque élève à acquérir cette connaissance, à maîtriser cette connaissance. Donc c'est un rôle, on le voit, complètement différent, où le rôle de l'instruction va être différent en classe, le rôle de la maison et de la classe va être totalement révolutionné par l'outil. Mais ça ne reste qu'un outil.